Et sinon, c'est comment quand tu sors avec Amin Radi? Déjà, tu sors pas avec Amin Radi, tu rentres avec Amin Radi. Tes compétences d'expert comptable, elles te servent dans ton nouveau métier, bien évidemment. J'ai créé mon spectacle sur Excel. En quelques secondes, peux-tu nous convaincre d'aller voir ton spectacle, l'esprit humoriste? Je suis le seul artiste sur Terre qui a un public plus faux que l'artiste en personne. On peut s'attendre à tout et à n'importe quoi, ça peut aller dans tous les sens. Mais moi, je sais pas ce qui va se passer dans mon spectacle. L'humoriste avec qui tu aimerais faire un 2 en scène? Ma mère. La dernière fois, je l'ai invitée à mon spectacle. Et là, j'ai un sketch sur elle. Je vous jure, en plein spectacle, elle se levait. Pourquoi tu mens? Arrête de dire aux gens que je fais ça, ils vont croire que c'est vrai. Et là, je dis, maman, c'est un sketch. Il me dit, arrête, ils vont croire que c'est vrai, que tu racontes n'importe quoi. Moi, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi parler de toutes ces origines dans tes vidéos? C'est ce qui fait la beauté de ce monde. On est tous différents. Chacun a ses religions, ses croyances, ses origines. Et on doit vivre ensemble. Et c'est ce qui fait la beauté et c'est ce qui nous permet d'en rire. C'était comment ta rencontre avec DJ Snake? Raconte-nous. J'arrive à l'avant-première d'un film. Il y avait des stars, moi je suis tout seul. Et là les amis, il y a un videur qui me reconnaît. Le videur il me donne un popcorn, un coca et un dessert. Et là j'entends une voix derrière moi qui dit Amine, 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 Amine. Je me retourne, c'est qui? C'est DJ Snake. Il me dit frérot, j'adore ce que tu fais, ma mère te kiffe, mon père te kiffe, toute ma famille te kiffe. Je dis frérot, calme-toi, c'est toi la star. Monsieur Snake, respire un peu, qu'est-ce qui se passe? Et là il m'a dit une phrase que dans le show business tout le monde dit. Il m'a dit on se voit après. Et là le film il commence, toute la salle regarde le film. Moi je regarde quoi? DJ Snake. Lui il rigole, moi je rigole. Le film il finit, je me mets devant la salle, j'attends DJ Snake pour qu'il sorte. Et là au moment où il sort, il monte dans le van et il part. Et là à ce moment-là, il y a le même videur qui m'a fait rentrer au début, il vient me voir, il me dit Amine, le popcorn ça a été? Je lui dis oui. Il me dit alors ça te dit on va dîner? Je lui dis quoi? Bah on se voit après. Instagram ou TikTok? La vérité, avant Instagram, aujourd'hui TikTok. Tu vois, tu dors à 23h, tu te mets au lit, bah tu commences à défiler les vidéos, tu tombes sur une vidéo d'un chameau sur un vélo qui prend un biberon à 5h du matin, t'es encore réveillé. L'expression marocaine qui ne te quitte pas. En France, on dit non. Au Maroc, on a la. Normalement, là, c'est non. Nous, la, si quelqu'un te dit la avec le ha à la fin, et c'est pas de le dire, tu peux avoir un claquage, ça veut dire c'est non avec le seum. Toi, quand tu as appris que le Maroc allait faire partie des organisateurs de la Coupe du Monde 2030, voilà, c'est une signature, sympa, ça fait plaisir, ça va? 06 95